Bonsoir Caris. Ah, bonsoir toi. Pour commencer, comment tu te sens? Je suis très content d'être là, déjà pour commencer. On dirait que tu as faim. Ça me dérange pas de ne pas avoir mangé. Bien sûr, ça va, tu es à l'aise. Je suis content que vous m'ayez attendu. Je suis très 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 fier d'être là, sachez-le. Dis-moi, et ton blème avec Booba? Booba, c'est un fou en fait. c'est un fou. C'est un fou qui pense que tout lui appartient. Et qui pense qu'on ne peut rien faire sans lui. Il est très égocentrique, je pense que c'est un pervers narcissique. Cela fait combien de temps que ça ne va pas entre vous? Donc ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il essaye d'arrêter ma carrière, d'après lui. Et comme il voit que ça marche pas, et comme il voit qu'Orly n'a pas marché aussi, le piège qui m'a tendu à Orly, la bagarre d'Orly. Donc maintenant il se lève, il dit je vais faire un combat et tout ça. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles? C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Hé, toi, qui t'a appelé ici? Qu'est-ce que tu attends? On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone, et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. Caris, est-ce que toi-même tu es vraiment prêt? Mais quand on propose une bagarre, vous connaissez, hein? Moi je suis embêté, j'y vais direct. Ce qui doit se faire se fera, on est prêt. Ok, si t'es prêt, il faut prouver. Booba, tu as vu ce que Caris a fait? Si toi aussi tu es prêt, il faut prouver. Le meilleur reste à venir. Koro, retirez pour nous. Je m'en fous.